imagine, vous allez à nouveau prendre vos portables pour ceux qui filment et qui mettent sur Snapchat ou etc. pour faire des lives. Ce que je vais vous demander, c'est parce qu'on a besoin de votre soutien, les artistes, et cette culture a besoin de votre présence, c'est d'aller avec vos portables sur la page sans qu'on passe au contest et de cliquer un petit j'aime si ce n'est pas déjà fait. À un moment ou à un autre de la soirée, vous êtes comme je vais faire maintenant, j'avoue. Mais en tout cas, merci, merci pour votre soutien ici et aussi dans le monde virtuel. On en a besoin, c'est une véritable force. Et on continue avec une jeune artiste qui, elle, est originaire de Madagascar. On voyage ce soir, Montpellier, les Antilles, Madagascar. Elle y a vécu pendant les 11 premières années de sa vie. Et puis, en fait, le reste, je lui ai laissé le raconter à travers sa voix. Elle est rayonnante. Elle flamboie. Elle a une voix vraiment qu'on n'oublie pas. Et elle aussi, pour ce premier set, elle a choisi de commencer en douceur avec un véritable chef-d'œuvre de la soul d'une certaine Etta James qui a été repris par une certaine Beyoncé. Vous voyez exactement de quoi je vais vous parler. Cette chanson d'amour ultime, vous pensez, c'est... Je l'ai entendu par ici. Être là. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour Mirasso. Thank you.
Pour vivre à 100 à 80.